Drive Express. À la montagne, en station, comment bien se garer? Je vous propose quelques règles simples à suivre pour éviter quelques petits tracas. Alors tout d'abord, si le stationnement est perpendiculaire à la route, ce n'est pas comme à l'hyper, on ne rentre pas en avant, sauf peut-être pour décharger le coffre s'il n'y a pas de trottoir, mais on se gare en marche arrière. Alors il y a deux raisons. Tout d'abord, en cas de panne de batterie, ce sera plus simple pour utiliser des câbles de démarrage avec un autre véhicule. Et puis s'il neige, le traitement de la chaussée fera que vos roues motrices, en général les roues avant, ne seront pas sur de la neige non traitée et vous serez rapidement sur un sol dégagé. Si vous stationnez le long de la route, préférez être dans le sens de la descente. C'est souvent plus sûr au moment de partir. Enfin, avec le froid et l'humidité, évitez si possible le frein à main qui peut coller. Le plus simple est de passer une vitesse. Indispensable en cette saison et en montagne, le pneu hiver. Il comporte 10 fois plus de lamelles qu'un pneu été. C'est l'assurance d'une bonne adhérence. Allez, tout chaud, c'est bonne route ?